c'est un recueil de nouvelles qui gagne 9 nouvelles là-dedans. Et chaque traité un sujet qui est différent, mais il y a 6 là-dedans qui traitent un sujet qui est relatif à la famille, il y a 2 qui traitent un sujet qui est relatif à désir inassouvi ou bien non satisfait, et il y a un qui a un rapport à l'amour ou à l'amitié. Le bilan, c'est une nouvelle qui baille et recueille un nom. Il même abordé un aspect sur la famille, et la dernière, il racontait une histoire qui mettait en évidence un monde qui est très riche et qui a un autre membre de la famille qui est très pauvre. Et c'est ça qui, le bilan, permet que, au fin de sa vie, capable de faire bilan, est-ce que lui-même, réussite personnelle, lien, il est capable de dire, sur un plan global, il réussit. Si on prend l'interrogation, c'est le lecteur qui parle, c'est lui-même qui s'est capable comme réponse. Est-ce que pour lui, il y a un monde qui est riche, qui a un entourage, un monde qui est plus proche, un frère seul, à vivre dans la pauvreté, c'est un monde qui a dit qu'il réussit ville. C'est ça en question. Il publie à compte d'auteur. Et comment ça vous choisissez? Alors, nous connaissons les difficultés qui viennent pour maison d'édition en Haïti. Ils ont édité un livre pour jeunes auteurs. Et ça t'est venu faire, c'est d'abord penser à éditer, alors publier à compte d'auteur. Et par rapport avec ça, et succès peut-être le café, qu'on n'a qu'à intéresser en maison d'édition, éditer après. Fermant ses yeux encore mouillés de larmes, il revoyait le visage de cette fille qui ressemblait tant à sa mère, qui malgré son jeune âge, mieux que quiconque, connaissait déjà la vie dans toute sa laideur et dans toute sa dureté. À l'âge où la vie aurait dû être pour elle un jeu, un amusement, une chanson, des éclats de rire, hélas, elle était déjà pour elle une lutte sanglante, terrible et sans merci. Où ceux qui gagnent sont ceux qui ont été bien préparés en conséquence. Et elle, pauvre fille, n'avait hélas que cette petite âme placée entre ses cuisses. Depuis que monsieur était enfant, on lui avait toujours dit qu'il était intelligent et qu'il réussirait sa vie. Ce qu'il a amplement fait, d'avoir brûlé toutes ces étapes difficiles, parcouru ce long chemin épineux et rocailleux, il était fier de lui-même et il avait bien raison. Mais voilà qu'en ce moment, revoyant la joie et toute la fierté qui émanait du visage de ce vieillard qui habitait en face de chez lui, quand il racontait sa grande contribution à faire de ses frères ce qu'ils étaient devenus, monsieur remettait en question sa réussite à lui. Il ne cessait pas de se demander quelle était la contribution qu'il avait apportée à sa famille. Qu'avait-il fait pour éviter que sa sœur cadette périsse en mer en tentant de joindre les côtes de Bahamas? Qu'avait-il fait pour sauver les yeux de la Benjamin? Qu'avait-il fait pour éviter que sa nièce de moins de 18 ans de se prostituer? Qu'avait-il fait pour les sortir de la crasse, de la misère? Rien, absolument rien. Il est vrai que chacun est responsable de sa vie et qu'il appartenait à soi-même de se battre pour atteindre ses objectifs, réaliser ses rêves, enfin, réussir sa vie. Mais tout de même, une famille reste une famille et quel qu'il en soit, les membres d'une famille sont faits pour s'entraider. Et faut me dire d'abord, Livan Folie représenté en pile et il est tellement représenté que j'ai une difficulté pour moi joindre un mot ou bien pour moi capable joindre une phrase qui est appropriée pour moi dit ça Livan en Folie représenté. Et c'est surtout un carrefour qui permet tout le monde qui a un rapport de loin ou de près à Livre rencontrer auteur, lecteur, éditeur, imprimeur, tout le monde ça. Et c'est intéressant moi-même qui à la fois lecteur et auteur pour me retrouver moi là avec chapeau auteur, bien entendu, mais comme lecteur d'abord, c'est pour moi un plaisir immense. Oui, les gens qu'on appelle Livio, rencontrer eux. Et c'est pour moi tout un plaisir, côté moi, pour rencontrer les gens qui parlent Livio Pam. Et c'est pour moi un bonheur sans fin, quoi.